Moi, j'ai commencé à 6 ans. Mais garder les vaches. Mais moi aussi, à 6 ans. Mais je ne gardais pas les vaches, je ne pense pas. Le matin. Le matin, à 5 h du matin, des fois, on les fauche à la faux. Hein. Après la traite, les paysans, ils partaient faucher, ou moissonner. Moissonner. Ou arracher les pommes de terre. Ou les faire et planter les pommes de terre. Ouais, et après, la femme apportait à manger les casse-croûtes. Non, elle ne fauchait pas, mais enfin. Mais non, mais surtout, elle gardait les bêtes aussi, parce qu'il n'y avait pas de clôture. Oui. C'était les femmes qui gardaient les bêtes. Là, à cette époque, les hommes ne cuisinaient pas, ne faisaient rien du tout. Hein. Les femmes allaient laver à la Loire leur linge. Alors, elles faisaient la lessive, elles l'étendaient sur la gravière. Ah, et puis, le soir, c'était à peu près sec, elles remontaient tout ça. Et voilà, c'est comme ça. Ça cultivait un peu tout au Basset, quand même. On avait des bons terrains, oui. À Basset, il y avait beaucoup de seigle, de froment. C'est le blé, le froment, on l'appelait. Et puis des pommes de terre, de l'avoine, de l'orge. Des betteraves. Hein? Des betteraves. Des betteraves, les pommes de terre. Les pommes de terre. Hein. Chaque ferme cultivait pour ça, voilà. Pour son bois personnel. Chaque... Pour nourrir ses bêtes, ouais. L'hiver. Faucher à la main, moissonner la faucille, tout à la main. Eh oui, tourner le foin à la main, ouais. Les gerbes, on moissonnait tout à la main. Et après, eh ben, on rentrait les gerbes dans la grange. Et l'hiver, eh ben, on battait au fléau. Au fléau. On travaillait avec 4 vaches, deux paires de vaches. Oui. Oui, souvent. Hein. Souvent, il fallait mettre 2 paires de vaches parce que la charrue, ça tirait. Hein. La charrue, après, c'était le Brabant. Oui. Et après, bon, ça a été le tracteur. Oui. Il y a l'évolution. Les moutons, il fallait traverser la Garenne avec le bateau. Et on faisait 2-3 voyages. On mettait 25 moutons chaque fois dans la barque. Et il fallait qu'il y en ait un qui est du côté des moutons, qui arrête les autres pour pas qu'ils partent. Parce qu'une fois qu'il y en a un qui se jette à l'eau, les moutons, auraient tous suivi. Une crue, on en a vu des crues. Alors là. Jamais au cru, on n'a pas perdu de bêtes. Comment? Des bêtes, non. Jamais, ni des engins, non. D'abord, des engins, on n'en avait pas tellement. Hein. Non. On perdait les bateaux. Oui, ils partaient, il fallait les chercher bateaux, des fois. Les la rue, oui. Des fois loin. Ah oh, oui. On en a récupéré une fois au REC. En 1943, on avait fait des betteraves là, du côté de Basset, et on faisait des silos, on mettait les betteraves pour tout l'hiver pour donner aux bêtes. Et là, la crue avait déterré le silo, elle avait emporté les betteraves un peu dans les champs. Pas de bon souvenir. Mais chaque crue, ça nous emportait encore du terrain de Basset. Ça creusait. Basset avait tout du bon terrain, c'était de la Garenne, c'était tout du bon terrain. À Basset, il y a des paysans qui ont été obligés de partir à l'époque. Après, ils n'avaient plus de terrain à cultiver.